Bonjour à tous. Alors effectivement, d'abord une petite présentation. Donc, je m'appelle Raymond Sclison, je suis directeur technique et architecte à l'association Cocktail. Un petit slide où on va trouver des chiffres qui sont importants pour la suite de la présentation. Donc ce n'est pas juste de la pub. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a environ 75 établissements adhérents et 6 domaines d'expertise, donc une couverture fonctionnelle assez importante. Voilà, je n'insisterai pas sur le reste. Alors, comment l'association Cocktail, ça c'est à peu près, suivant comment on compte, suivant les manifestants, suivant la police, entre 12 et 20 ans, mais disons qu'on va raisonner sur à peu près 12 ans de construction du système d'information. Donc comment tout ça s'est construit ? Eh bien, finalement, ça s'est construit de façon assez incrémentale. On a commencé par construire une première application, puis d'autres applications sont venues. Tout ça est supporté par une base de données Oracle, donc au fur et à mesure des schémas qui s'installent. Et puis, au bout du compte, on aboutit à quelque chose qui aujourd'hui, c'est à peu près 50 applications, c'est 4 millions de lignes de code. Je pense qu'à l'heure où je parle, c'est encore pas mal augmenté, et c'est 20 000 objets en database. Donc on a quand même une suite d'applications qui aujourd'hui atteint une taille assez raisonnable, on va dire, enfin, en tout cas assez importante. Comment tout ça s'appelle dans la littérature? C'est un monolithe. Alors même si il y a des situations bien pires que celle-là, hein, puisqu'on a quand même du découpage en application, malgré tout, on a un gros volume de code. On a beaucoup de choses qui sont rassemblées dans un même ensemble. Et tout ça fait, on le verra un petit peu après, du delivery également très important. Alors, OK, c'est un monolithe. Bon, quel est le problème derrière tout ça, finalement? Parce que des monolithes, il y en a beaucoup. C'est pas pour ça que ça pose toujours des problèmes. Alors, ce qu'il faut considérer, et quelque chose qui n'est pas forcément très intuitif, c'est la complexité. En fait, la complexité, on a toujours beaucoup de mal, surtout quand on est vraiment dans l'histoire, à voir que c'est quelque chose qui suit plutôt une courbe exponentielle. On a toujours du mal, c'est un biais cognitif, à comprendre les courbes exponentielles. Ça s'est vu avec le Covid. On a du mal à comprendre que des choses ne sont pas, quand elles ne sont pas linéaires. Mais là, la complexité, on est vraiment dans quelque chose où la situation s'aggrave et peut s'aggraver assez rapidement. Dans toute notre construction, même si on a pas mal de modules applicatifs, on a beaucoup de liens qui se sont constitués au fil de l'histoire. Alors, les liens, ils sont passés beaucoup par la base de données. La base de données, on est dans ce qu'on appelle le pattern maintenant, base de données ASMOM, hein, c'est-à-dire qu'on utilise la base de données pour véhiculer l'information d'application à application. C'est quelque chose qui est très commode, parce qu'effectivement, toute application peut avoir accès potentiellement à l'ensemble des données. Mais c'est évidemment quelque chose qui introduit une complexité extrêmement importante dans le système. Et la conséquence de ça, les deux principales conséquences, c'est les problèmes d'agilité de ce système. C'est-à-dire, quand on va vouloir faire des évolutions de ce système qui devient de plus en plus complexe, eh bien, on a de plus en plus de mal, ça prend de plus en plus de temps. Parce que pour chaque modification qu'on veut faire, il faut prendre en compte tous les impacts que ça peut produire. Alors, on met en place des outils de test, etc., mais tout ça se complexifie de plus en plus. La deuxième conséquence assez importante, c'est la fragilité ou le manque de résilience. C'est-à-dire que c'est un système qui devient de plus en plus fragile, de plus en plus difficile à contrôler, et qui peut poser des problèmes à la fois dans le build, dans la manière dont on construit, mais aussi dans le run, dans nos établissements. L'autre constat que je veux partager avec vous, c'est aussi... on a beaucoup basé de choses sur la database, sur SQL, c'est normal, il y a 15 ans, 20 ans, c'était vraiment la pleine époque des databases relationnelles. Un petit problème avec tout ça, c'est que pour moi, SQL génère des addictions très durables.
C'est-à-dire que SQL, c'est vraiment un langage extrêmement puissant. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui. Hein. Des technologies qui permettent de faire des produits cartésiens extrêmement complexes, il n'y en a pas vraiment d'autres que SQL. On parlait de beaucoup de choses, hein, de GraphQL, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec le SQL. Et quand on est habitué au SQL, aussi bien nous que nos établissements, c'est très très difficile d'en sortir. Une petite métaphore que je veux faire, c'est la métaphore du trou noir. En fait, on peut voir souvent que l'informatique, on peut faire du rapprochement entre l'informatique et les lois de la physique. Moi, j'ai fait cette petite métaphore parce que, en fait, quand vous constituez quelque chose qui devient un monolithe au fur et à mesure, sa masse augmente de plus en plus et ça attire de plus en plus les développements. C'est-à-dire que plus vous avez un système massif, plus il va attirer les développements. Pourquoi ? Ben, d'une part parce que c'est très difficile de faire autrement, de faire à côté, parce que toutes vos données sont dans votre database, vous avez toutes vos applications. Et donc, la solution de facilité, ou à vrai dire, au bout d'un moment, la seule solution, c'est de continuer à rajouter des choses dans ce monolithe. Il y a une autre petite métaphore qu'on peut faire avec une autre loi de la physique, hein, qui est le deuxième principe de la thermodynamique. Tout système obéit au fait que l'entropie est croissante. Hein. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, sauf à injecter beaucoup d'énergie, le désordre ne va qu'en croissant. Alors comment tout ça, on l'a vécu ? On l'a vécu un peu comme ça. C'est un peu le... Pardon. Alors voilà un peu comment on l'a vécu. C'est ce que j'appelle le syndrome de la grenouille. Hein. C'est la grenouille qu'on met dans une casserole, vous montez la température... En fait, la grenouille, elle ne sort pas tant que vous montez la température lentement. La grenouille, elle s'aperçoit qu'elle va être ébouillantée. Et donc, quand vous construisez un système, c'est un peu le même genre de choses. C'est-à-dire que vous êtes dans l'action, hein, il faut réaliser des choses, on a des évolutions réglementaires, il y a beaucoup de choses à produire. Et donc, on n'a jamais le temps. Hein, on n'a pas le temps. Et donc, on ne s'aperçoit pas au fur et à mesure qu'on est dans une casserole qui commence à devenir bouillante. Alors, par rapport à tout ça, comment on procède ? Si on lit la littérature, il y a une solution miracle, c'est les microservices. Alors les microservices, aujourd'hui, c'est vraiment, quel que soit votre problème, il sera résolu par des microservices. Et d'ailleurs, je dirais, ce qui milite en faveur de ça, c'est de dire, bah, après tout, je veux dire, Netflix, Amazon, Facebook, LinkedIn... Enfin, tout le monde est passé aux microservices. Tout le monde a résolu ses problèmes avec des microservices. Et si LinkedIn l'a fait, ben pourquoi on ne peut pas le faire ? Pourquoi on ne peut pas utiliser la même chose et aboutir à des résultats extraordinaires ? Alors, ce que promettent les microservices, ben, c'est un gain fantastique en agilité. Hein. Vous avez un système qui devient beaucoup plus agile, qui permet de suivre vos évolutions fonctionnelles de façon extrêmement rapide. Vous gagnez aussi en scalabilité, parce que... vous découpez en beaucoup plus petites unités et on sait gérer la scalabilité de ces petites unités. Et vous gagnez en résilience, puisqu'on a un système qui est censément plus résistant aux défections qu'il peut y avoir sur tel ou tel microservice. L'architecture de tout ça, c'est pas très compliqué. Hein, on a effectivement des microservices qui vont être connectés au travers d'API à des fronts. Hein. On intercale un gestionnaire d'API pour faire bonne mesure. Et puis on a un bus de messages asynchrone qui va permettre d'établir de la communication entre microservices. Microservices qui peuvent aussi communiquer entre eux directement. Ah non, oups. C'est là l'erreur. Dans les microservices, il est interdit de communiquer entre microservices par des appels synchrones. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument banni, normalement, si on est puriste des microservices. Alors, comment l'idée de Stoke, hein, c'est d'expliquer un petit peu comment nous, on a envisagé d'appliquer ce genre de méthode pour essayer d'améliorer notre agilité, puisque c'est un des principaux... problème auquel on a à faire face. Et bien, la mise en œuvre de tout ça,
C'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'on veut bien vous le dire dans un certain nombre de présentations. La mise en œuvre de ces microservices est un très long chemin. Négliger cet aspect-là va vous emmener vers des gros, très gros problèmes dans la construction de vos applications et dans le déploiement et l'exploitation de ces applications. Alors, je vais faire une petite revue rapide des principaux problèmes qu'on peut rencontrer avec ces microservices. Le premier, vous verrez souvent ces microservices associés au concept de DDD, Domain Driven Design. Bon, l'idée, c'est de vraiment rattaquer par les objets métiers, par le métier, se reconcentrer sur le métier pour concevoir ces applications. Ce Domain Driven Design, il introduit un concept qui s'appelle les Bounded Contexts. En fait, c'est pas très compliqué, hein. L'idée, c'est de constituer des espèces d'ensembles métiers qui sont fermés, des espèces de fermetures transitives du métier pour pouvoir découper ce métier en autant de microservices candidats. Identifier ces contextes, c'est extrêmement compliqué, surtout quand il n'y a pas vraiment, quand vous découvrez ce domaine, identifier ces contextes métiers fermés, puisque l'idée c'est qu'on veut faire des services qui ne communiquent pas entre eux, c'est extrêmement compliqué. En termes d'API, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, parce que je crois comprendre qu'il y a eu beaucoup déjà de talk sur cette affaire-là. Il faut passer à du design first, hein. Il faut concevoir ses API d'abord, avant de coder, et non pas écrire son code, la noter et faire générer l'API. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une API qui changera très souvent. Mais à partir de là, se posent des problèmes d'identifier ces API, parce que, pour revenir sur la question de tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est que les API aient un minimum de pérennité, parce qu'effectivement, quand les établissements vont développer des choses autour de ça, avec du Python, avec des scripts et autres, il faut assurer un minimum de pérennité. Si vous n'avez pas bien identifié vos API, oups, vous allez être obligé de les changer sans arrêt. Et puis le dernier point, c'est l'échange des objets métiers, parce que ces API, elles échangent des objets. Comment je transmets ces objets-là? Comment je les modélise? Qu'est-ce que je mets? Comment j'hydrate, comme on dit, ces objets? Jusqu'à quel niveau je vais? Tout ça, c'est des choses qui sont, quand vous n'avez pas vraiment l'habitude de tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement complexes. L'autre grand paradigme dans les microservices, c'est les événements, c'est l'asynchrone. On vous dit, voilà, tous vos microservices doivent communiquer de façon asynchrone. Bon, pour moi, je vais le dire rapidement, mais c'est un peu une escroquerie intellectuelle, cette affaire, quand même. Alors, déjà, sur les événements, on va voir les différentes difficultés. La première chose, c'est que la taille compte pour les événements. Quand vous allez faire des événements, suivant comment vous les concevez, ils vont être plus ou moins facilement exploitables. Si vous faites des très gros événements, vous en faites peu et des très gros, ils ne vont pas être exploitables facilement par les autres applications, par les autres services, parce qu'il y a trop de choses dedans. En fait, ça donne une étape sans en donner les détails. À l'inverse, si vous faites des événements trop petits, si à chaque fois que vous modifiez un champ d'un objet, vous générez un événement, ils ne sont pas exploitables non plus. C'est-à-dire que les applications, unitairement, elles vont prendre ces événements, elles ne savent pas quoi en faire. Elles vont devoir attendre et de bufferiser plusieurs événements. Donc ça aussi, c'est une complexité importante. Et puis, encore une petite métaphore, j'aime beaucoup les métaphores, c'est le syndrome du spaghetti. C'est-à-dire quand vous commencez à dire, voilà, dans un événement, je vais véhiculer des changements sur un individu, par exemple, donc je vais mettre son nom, son prénom, etc. Est-ce que je vais mettre son adresse? Donc déjà, son adresse, c'est un autre objet. Ensuite, son établissement ou la structure à laquelle il appartient, c'est encore un autre objet. Et je tire, et je tire, et je tire, et voilà. Où est-ce que je m'arrête? À quel moment les informations de mon événement sont exploitables par les consommateurs? Et là où je trouve que toute cette affaire est un petit peu, si on le prend au sens strict, hein, je suis provocateur, une escroquerie, c'est qu'on laisse croire que
on laisse croire aux producteurs qu'à partir du moment où ils émettent un événement, c'est plus leur problème. Moi, j'ai émis l'événement. Comment il est consommé, c'est pas mon problème, je veux pas le savoir, puisque justement, on veut découpler tout ça de façon asynchrone. Mais c'est pas vrai. Bien sûr, c'est pas vrai. C'est-à-dire que cet événement, c'est un contrat, hein, comme une API. La seule chose, c'est qu'on a l'habitude avec les API synchrones, reste de bien spécifier le contrat et d'y faire très attention. Avec les événements, on a pu croire à un moment donné que bah, voilà, je peux émettre l'événement comme je veux et à la limite le modifier comme je veux. Après tout, j'ai le droit, puisque les consommateurs, je ne les connais pas. Donc, ce n'est pas mon affaire. Bon, évidemment, tout ça, ça ne va pas fonctionner. Hein. C'est-à-dire que vous êtes obligé de respecter un minimum de contrats si vous voulez que vos événements puissent être consommés par des consommateurs putatifs. Encore un petit problème, les transactions. Et oui, dans une architecture asynchrone, on a un gros problème de transactions. C'est-à-dire que on a l'habitude, notamment dans le domaine de la gestion, hein, nous, un des domaines assez importants, c'est la finance et la comptabilité. Ce dogme de la transaction et de la consistance est extrêmement important. Et à vrai dire, si vous parlez à quelqu'un de métier, vous dites, bah, écoute, si tu as un débit de l'autre côté, je ne te garantis pas que tu auras le crédit de l'autre. Peut-être. Éventuelle consistance, si, peut-être plus tard. Normalement, oui, mais peut-être pas. Là, c'est tout de suite l'horreur. C'est clairement, on ne peut pas imaginer ça, quoi. Donc là, il y a vraiment une révolution copernicienne quasiment à faire pour voir comment on traite ces problèmes-là. 5 minutes, ça va être court, mais je vais accélérer un petit peu. Voilà, le dernier point, c'est la complexification de l'architecture interne et externe. Les architectures microservices, votre architecture interne, vos microservices, ça va faire des choses distribuées, c'est complexe. Mais ça ne va pas marcher tout seul. Pour que ça marche, il faut une plateforme. Il va falloir un gestionnaire d'API, il va falloir un MOM, il va falloir des tas de choses qui vont venir se rajouter et que vous allez devoir exploiter. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important à prendre en compte. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui nous particularise un petit peu à Cocktail, mais je ne pense pas que nous, c'est qu'on a des trajectoires assez complexes. C'est-à-dire que quand on veut faire évoluer nos systèmes, on fait évoluer pas toutes les applications en même temps. Donc on a une dimension application, on a une dimension temps, mais on a aussi une dimension adhérent. C'est-à-dire que tous les adhérents ne veulent pas, au même moment, installer la dernière version. Donc il faut prendre en compte le fait qu'on va déployer la nouvelle version de certaines applications à certains moments pour certains adhérents. Et ça aussi, c'est extrêmement complexe. Alors j'en viens un petit peu à tout ça, c'était les problèmes. Comment on procède avec tout ça. Donc finalement, quelle est notre stratégie, parce que ça fait beaucoup de problèmes quand même à gérer. Le maître mot pour nous, ça a été le découplage. Le découplage, si on doit retenir un seul mot dans notre stratégie depuis 2-3 ans, c'est cette affaire de découplage. Le découplage, on l'a voulu introduire à tous les niveaux. Découplage entre les domaines applicatifs. On avait des domaines applicatifs, gestion des ressources humaines, gestion financière et comptable, scolarité, recherche, qui étaient assez couplés par la construction du système, hein, avec la database, comme je l'ai montré tout à l'heure. Il est extrêmement important de découpler ces domaines applicatifs et pour nous aussi de redonner de l'autonomie aux équipes. C'est-à-dire que finalement, chaque domaine, c'est une équipe. On veut que chaque équipe puisse retrouver de la liberté, réaliser quand elle le souhaite et ne pas être dépendant de toutes les autres équipes. Ça, c'est extrêmement important. À l'intérieur d'une équipe, dans un domaine, gestion financière et comptable, on a des applications. Une quinzaine d'applications à chaque fois par sphère. Il faut découpler aussi ces applications. Faire en sorte, au fur et à mesure, que ces applications deviennent moins dépendantes. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est travailler au niveau du schéma des données et découpler toutes ces données. Parce que finalement, c'est pas le monolithe en soi qui est un problème, c'est le couplage qui est un problème. C'est ça qui génère des problèmes. Et pour cette affaire de découplage qui est autant organisationnelle que technique, on peut aussi rappeler une loi qui s'appelle la loi de Conway, hein, qui dit que toute organisation a tendance à produire un système d'information qui est le reflet d'elle-même, qui est le reflet de son organisation. Si vous avez une organisation très couplée, vous aurez un système d'information très couplé
en résultat. Ce qu'on a voulu faire, c'est plutôt donc, être pragmatique. Donc, aujourd'hui, on a une approche qu'on appelle mini-service. Donc, déjà, c'est des choses qui se déploient progressivement, hein, parce que quand on a 50 applications, il faut procéder au fur et à mesure. Les mini-services, c'est on va essayer de s'inspirer de ce qu'on recherche, des objectifs qu'on recherche avec les microservices, mais on relâche des contraintes qui sont des contraintes très fortes. La communication entre services, par exemple, oui, on permet la communication entre mini-services. On la minimise, on l'identifie, on la catalogue, mais on permet la communication avec des API synchrones. Ces API, on les catégorise. On a des API aujourd'hui, publics, protected, private. Les publics sont ouvertes à nos adhérents. Les protégés sont utilisés entre les différents domaines et les privés sont internes à un domaine. Je redonne de l'autonomie. La sphère de gestion de ressources humaines, par exemple, elle a des API qui lui sont propres, qui sont private. Elle peut les faire évoluer comme elle le souhaite. Ça ne touche ni l'adhérent ni les autres domaines applicatifs. Bon, et puis je sais que c'est le diable, mais on autorise un partage de code avec des librairies communes. Ça aussi, c'est difficilement évitable. Au niveau de la base de données, bon, je n'insiste pas trop là-dessus, mais vous aurez compris qu'on essaye de s'en détacher, enfin, de mettre moins de choses dans cette base de données, l'utiliser vraiment comme une vraie base de données. Chaque mini-service peut avoir son propre schéma, donc on a pas mal découpé les schémas. On interdit les liaisons entre schémas. C'est possible, même en Oracle, vous avez deux schémas, deux users différents. Vous pouvez faire des liaisons entre les deux. On interdit ça. On diminue notre code PLSQL. Je crois qu'on a 400 000 lignes de PLSQL. Donc on ne va pas le diminuer tout de suite, mais on essaye d'éviter d'en rajouter. Et puis on utilise de plus en plus des extensions comme JSON qui nous permettent d'être un peu plus souples au niveau des schémas. Au niveau des API, ce qui est important, c'est qu'on a élaboré une doctrine. On travaille beaucoup sur le mocking d'API, donc on permet aux équipes d'être indépendantes via des mocks. Et puis, on a travaillé sur le test automatisé. Je sens une légère pression à ma gauche. Hein. Une aucune. Pour avoir du temps pour les questions. Aussi. Ok. Les événements, c'est la même chose. On catégorise, on va distinguer des événements qui sont très locaux, sur lesquels les contrats peuvent évoluer, et des événements qui sont globaux. Les événements globaux sont rares, hein, ils doivent être pérennes, et donc on prend bien le temps de les identifier. Et puis, on peut avoir différents tuyaux, j'insisterai pas sur tout ça, mais on a différentes possibilités pour véhiculer ces événements. On a du Kafka, mais on a aussi des événements Spring, des choses qui, sans rentrer dans le détail technique, nous permettent de trouver le bon média. Là, on a quand même quelque chose d'important, un cocktail, qui est le référentiel. On a une base aujourd'hui qui s'appelle le référentiel, qui permet d'avoir un certain nombre d'objets qui sont partagés par toutes les applications. Les individus, les structures, les nomenclatures, etc. Ça ne fait pas tellement sens. Dans une approche microservice, on va vous dire que chaque microservice gère sa propre base. Bon. Pour nous, ça ne fait pas tellement sens. Il y a un vrai problème de qualité derrière ça. On veut aussi beaucoup travailler là-dessus, sur la qualité des données. C'est quelque chose qui est vraiment important. Donc on a entièrement refondu le référentiel qu'on va commencer à déployer à partir de l'année prochaine pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus souple, plus agile, basé sur du JSON, qui va permettre de faire coexister des objets dans des schémas différents dans le même référentiel. Donc vous pourrez avoir des individus dans un ancien schéma et des individus dans un nouveau schéma, tout ça dans le même référentiel. Je vais accélérer un tout petit peu. Beaucoup. Beaucoup. Ok. Au niveau du déploiement, voilà, on est dans un cadre de refonte progressive. Comme je disais tout à l'heure, on a une trajectoire qui est assez complexe. On doit faire coexister du legacy et des nouvelles applis. Peut-être que ça sera l'objet d'un futur talk. On vous expliquera comment on arrive à faire ça. C'est assez complexe, mais malheureusement, on n'a pas le choix. On est obligé de gérer ce genre de choses. Bon, et pour terminer,
On a beaucoup, beaucoup de travail en cours. Hein. On a des problématiques sur la gestion de l'authentification, de l'autorisation. Vous aurez compris, peut-être de façon subliminale, qu'on veut aller vers du continuous delivery. Hein. Si on découpe tout ça aussi, c'est pour avoir des cycles de vie qui sont séparés et à terme, avoir du continuous delivery vers nos établissements. Et j'en termine juste avec un dernier point qui est aujourd'hui, on est dans un modèle on-premise, c'est-à-dire qu'on délivre des artefacts, les établissements installent ces artefacts, exploitent ça. Ça a des limites, notamment pour un certain nombre d'établissements. On a des établissements qui sont très gros, qui se déroulent très bien. On a des établissements qui sont tout petits, qui ont plus de mal. C'est pas leur fond de métier. Les évolutions technologiques sont dures à suivre. Donc ce qu'on veut faire, c'est clairement notre gros travail de l'année 2022, c'est de travailler sur une offre SaaS basée sur un cluster cube qu'on offrira aux adhérents qui, effectivement, préfèrent utiliser en mode SaaS nos applications. Je termine juste par une phrase de conclusion. Voilà, pour dire qu'il est important de se concentrer sur la valeur. On voit beaucoup de choses dans l'informatique, les choses évoluent très très vite. Il faut vraiment se concentrer sur la valeur qu'on apporte. La perfection architecturale, c'est génial, hein, tout le monde adore faire un système beau, élégant, bien construit. Bon, il faut regarder quelle valeur ça apporte et quel effort on y consacre. Merci beaucoup Raymond, merci. On va prendre les dernières questions des assises. Moi, je ne pourrais pas poser de questions. Vous avez compris, hein, tout. Arnaud, architecte PC School. Bon, merci pour la présentation, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, sur lesquelles nous, on s'est un peu cassé les dents à certains moments du projet PC School. Enfin, pour construire Pégase. Du coup, il y a une slide où tu mentionnes DDD, donc Domain Driven Design, pour définir des bounding contextes. Alors, on sait que tous les deux, je pense que ça ne sert pas que à ça. Mais du coup, est-ce que vous avez une démarche à cocktail DDD ? Nous, au niveau de PC School, on commence à y réfléchir très très sérieusement, notamment pour la problématique que tu citais sur les événements. Parce que ça met en lumière les événements qui sont vraiment essentiels pour le métier. Du coup, ça nous permet aussi de dimensionner ces événements. Alors oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 2 ans à peu près. Donc on a beaucoup travaillé sur différentes choses, sur des cérémonies, des choses qui permettent de faire émerger et de travailler sur ce domaine driven design, hein, les event storming, ce genre de choses. On a beaucoup travaillé aussi sur des systèmes de modélisation, hein, sur la cartographie de nos systèmes, et en descendant au niveau de la cartographie pour essayer de travailler un niveau métier. On a aujourd'hui des experts métiers qui commencent vraiment à travailler sur de la modélisation domaine. Donc ça vient petit à petit. Ce qui freine un petit peu tout ça, alors il y a l'appropriation, hein, qui prend un petit peu de temps, ce qui freine un petit peu tout ça, encore une fois, c'est le legacy. C'est-à-dire que tout ça, c'est appliqué pour les nouvelles applications, le legacy, ça vient un peu plus lentement. Voilà. Donc c'est vraiment une approche qui est croissante, sur laquelle on travaille en permanence. Ah. Toute dernière question. Bonjour. Ouais. Lucas de l'INSA Lyon. Est-ce qu'on va devoir installer du Kafka dans notre SI pour que ce soit compatible avec les futures applications ? Excellente question, c'est pour ça que c'est la dernière. On travaille effectivement sur Kafka de façon très prudente aujourd'hui. Kafka, c'est à la fois un MOM et aussi quelque chose qu'on peut utiliser, comme on appelle ça l'event sourcing, hein, pour gérer aussi des données. On n'est pas sur l'event sourcing aujourd'hui, on est vraiment en utilisation en tant que MOM. On est extrêmement prudent aujourd'hui parce qu'on sait la complexité pour nos établissements d'avoir quelque chose de nouveau à exploiter. Clairement, on va accélérer les choses avec le mode SaaS. Aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est
des utilisations et des patterns dans Kafka qui font que Kafka, pour nous, n'est pas un système critique. Et donc, on va mettre en place des procédures d'exploitation. On va vous les livrer très bientôt, pour ceux qui installent du Kafka, notamment pour la partie GRH, avec envoi paix. On va mettre en place des procédures d'exploitation dites brise-glace, qui permettent de remettre les choses dans l'état de faire un RAZ. Notre source de vérité, ça reste la database. On a des outbox, inbox, et donc on est capable de rétablir la situation. Donc on est prudent là-dessus, parce qu'on sait que Kafka, ça peut être compliqué à exploiter. Donc voilà, très prudent. C'est vraiment pour ça qu'on travaille sur le mode SaaS aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir retrouver un peu de volant pour travailler sur la partie technologique sans avoir imposé à nos établissements de travailler sur tous ces aspects. Encore une fois, merci beaucoup, Raymond. Merci.